Allô, le monastère des Bénédictines? Oui, peut-être, mais il faut que je prévienne la sœur hôtelière. Si vous pouvez les prendre avec nous au réfectoire, mais bon, si vous êtes réticente, on peut vous servir à l'hôtellerie, mais exceptionnellement. On n'a pas le droit à la porterie d'être énervé ou de répondre n'importe comment. Ça, c'est une chose que j'ai appris en étant là. Des fois, il y a des choses qui agacent, c'est que je voulais vous. Bon, on n'est pas des saints. Bon. Allez, autre. Ne compte pas de commencer, c'est de bien finir, c'est de durer et de bien finir. Alors, 74 ans, j'aurai bientôt 75 ans de vie monastique. Pas mal, hein? Je suis entrée à Vanves en 1942 sous l'occupation allemande. On ne mangeait pas à sa faim, mais on entrait toutes les semaines. On a été 15 au noviciat. L'été, en général, je ne débroussaille pas beaucoup parce que je profite de que la nature soit un peu haute à cause des animaux. Par exemple, il y a un nid de faisan qui se réfugie chez nous, les lapins, il y a beaucoup d'animaux quand même que je respecte. Donc je leur laisse la nature. Là, j'ai dégagé un peu les bois pour pas, parce qu'après, c'est très difficile quand les ronces se sont... et qu'il va falloir évacuer tout ce bois parce qu'on est en train de refaire un peu le bois. On abat les arbres morts, les bûcherons viennent. Et on va replanter des arbres à l'automne. Donc on va refaire un peu les... C'était un bois d'acacia, donc les acacias commencent à mourir. Donc il faut... C'est un entretien le bois. Les sœurs âgées aiment se promener dans le bois. Donc je dégage en général bien les allées. Voilà, on place des sièges pour les sœurs. Et ça fait que nous n'avons aucune sœur gravataire. Même les sœurs de 90 ans sont autonomes et se promènent dans le bois. Donc je pense que ce lien avec la nature dans la vie monastique, je pense qu'il y a ça de très fort. Et ce qui permet aux gens de rester autonomes et de vivre pleinement, de respirer tout simplement.
La maladie, la mort, tout ça, la vieillesse, c'est un cheminement vers la vie, vers la vraie vie. C'est une véritable allégresse. Et dans les monastères, je crois que c'est ça. C'est pour ça que je pense... les moines et les moniales ne peuvent pas ne pas être joyeux. Car enfin, c'est notre foi profonde. On va vers la vie. Et c'est concret, si vous voulez. Et on le concrétise tout le temps. Ça, c'est extraordinaire. Oui, oui. Voilà. Il y a plein de coquillages qui se mettent. Je vais aplanir. Et puis, peut-être que je fais un peu d'air, on reviendra. Ah, c'est pour ça que tu avais fait. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai tenu à faire un propre. Et tu vois ce noyer là, il faudrait presque couper un peu des branches. Le cimetière, c'est le parvis, moi je dis, c'est le parvis du ciel. Vous avez des sœurs extraordinaires ici, vous avez la fondatrice de la communauté Daniel, Mère Danielle Robert là. C'est elle qui a donné l'esprit de ce monastère. Cette ouverture et en même temps cette rigueur monastique. La sœur Patrice Abric, c'est elle qui était l'architecte, qui a beaucoup travaillé le monastère. On doit la beauté de notre monastère et l'esprit, cet esprit d'ouverture et d'hospitalité à ces deux sœurs. C'est elle qui m'a accueillie ici quand je suis arrivée. Et j'étais arrivée avec ma deux chevaux depuis les Pyrénées, en bout de jean, un peu délavée, un peu... Et donc elle m'a dit, bon voilà, et je lui dis, mais peut-être il faut que je me mette en robe, je suis quand même un peu... Elle m'a regardée comme ça, et elle m'a dit, t'es parfaite comme ça, elle avait une voix, tu es parfaite. Et donc, voilà, je me suis dit, oulala, ici je vais vivre bien. J'ai de suite senti qu'il y avait cette acceptation de l'autre tel qu'il était. Et Mère Danielle était cela, et elle nous aidait à grandir. C'est une femme extraordinaire. C'est beau de vivre avec le cosmos. Et c'était la grande idée de Sœur Patrice et de Mère Danielle, de faire rentrer le soleil, de faire rentrer la nature, les arbres, les fleurs. Que même dedans, nous vivions dehors, enfin, quelque chose comme ça. Quoi. Cette osmose avec le cosmos, la nature. Hein. Elles ont construit ça parce qu'elles avaient des idées. Voilà. Elles savaient où elles allaient. Elles savaient comment elles voulaient un monastère à taille humaine. Le cloître, qu'il soit extérieur ou intérieur, recentre l'homme autour de son noyau vital, son lien au Créateur. Le cloître offre ce même mouvement à la spatialité spirituelle. Il recentre autant qu'il décentre, parce qu'il symbolise un point central arrimé à Dieu. Acquérir une réelle lucidité vis-à-vis de soi passe par un combat intérieur contre l'ignorance qui, aux yeux de Bernard, détourne l'homme des réalités et des dépendances qui le font vivre. Je la fais sécher et puis je la mets en poudre en fait. Comme ça j'en mets pour tout l'hiver. Il y a des liserons partout. J'ai vu qu'il y avait une recette aussi pour le liseron là dans le. C'est ça qu'il pourrait faire comme recette. Moi je m'étais dit, si ça marche, je ferai le crumble, le tomate cerise. Ah, tu nous en apportes. Très bien. C'est beau votre liseron. Nous faisons partie de la congrégation des bénédictines de Sainte-Bathilde, dont la maison source est à Vanves,
près de Paris. Et voilà, c'est une congrégation qui est née dans les années 1920, en fait avec l'intuition d'une mère de famille, veuve, qui aspirait à donner sa vie là. Le fait qu'elle soit mère de famille, ça lui a donné ce désir d'une ouverture d'un partage en fait de la vie monastique, autant dans la liturgie, avant tout dans la liturgie, et puis dans cette proximité de l'accueil aussi. Et donc c'est pour ça que très vite, enfin en fait à l'époque on pouvait être moniale s'il y avait une clôture bien manifeste, et elle a plutôt désiré la clôture des moines plutôt que celle des moniales. Donc ça fait qu'on a tout de suite eu dès le départ cette dimension d'accueil ouvert en communauté, avec le partage des repas, avec cette proximité de la liturgie. Voilà, c'est un peu... Et puis, l'histoire a fait aussi que du coup, très vite aussi, les sœurs sont parties fonder dans les pays de mission pour transmettre la vie monastique dans les pays de mission. Donc, elles sont parties d'abord à Madagascar, et puis au Vietnam, et au Bénin ensuite, ce qui explique la présence de nos deux jeunes sœurs vietnamiennes actuellement. Quelles études as-tu fait ? Quel métier, toi, tu as appris ? Je suis infirmière. Infirmière. Quand es-tu rentrée à Tuduc ? Quand ? Je suis rentrée à Tuduc en 1989. Maintenant, où habites-tu? J'habite à Matigné, communauté à Matigné. Voilà. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après, tu retournes dans ta cellule, là. Je retourne chez moi, d'accord. D'accord. Ça va aller? Ça va aller. Tout à l'heure. Pour nous, vraiment, notre souhait, c'est que notre sœur ancienne reste jusqu'au bout au monastère. Et donc, voilà, de pouvoir les prendre en charge jusqu'à dans leur... dans leur étape ultime au sein de la communauté. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir cette présence des anciennes qui sont un poids de prière et de présence. J'ai fait des études de médecine et du coup, c'est sûr que ça permet de pouvoir bien les suivre et puis assurer leur prise en charge au monastère jusqu'au bout. On mange à l'infirmerie. Voilà. Là, j'ai fait cuire de la rhubarbe du jardin. Saint Benoît, il dit que le service de la cuisine, c'est le lieu de la charité. Et je le crois parce qu'en fait, c'est quelque chose de tous les jours. Il faut que ça soit joli. Il faut que ça soit agrémenté. Moi, je ne suis pas la responsable de la cuisine. On se relaie... On a chacune notre jour, donc ce qui est bien. Il y en a une qui s'occupe de faire les commandes, de voir ce qu'il y a besoin et de faire les menus. Moi, j'ai juste à faire son commandement. C'est déjà pas mal. Moi qui ai été pendant des années au jardin, eh bien c'est sûr qu'on a une... Je dis toujours, on a une terre très dure. Très dure à travailler, hein, parce qu'il y a plein de cailloux argileux. Mais elle donne du bon goût. Alors ça, je trouve que ça vaut le coup. Et donc c'est bien, on a des sœurs qui s'y mettent et c'est très agréable.
on repique des poireaux. Tous les premiers qu'on a semés, qu'on a repiqués il n'y a pas longtemps. On met un légume par plate-bande. Ouais. Et là, sur la butte, on en met en haut, on en met sur le côté, on en met en bas. Finalement, sur un truc, on a trois surfaces, finalement. C'est beaucoup plus fantaisiste, quoi. Voilà, c'est ça. Ça nous correspond mieux. C'est une sorte de petit paysage naturel, alors un petit truc par là, un petit truc, on met une fleur au milieu, on a pas mal. On laisse pousser une courge. C'est Sœur Claire qui a dessiné le jardin, on l'appelle très pompeusement le jardin Mondala. En tout cas, c'est très agréable de travailler dans ce jardin avec cette forme, parce que quand on est là, on lève les yeux, puis on est vraiment au milieu du jardin. Ça vient du fait que notre jardinier est parti en retraite et qu'on n'a pas réussi tout de suite à trouver quelqu'un pour le remplacer. Et je voyais tout ce magnifique jardin et rien n'était en place, rien n'était prévu, on ne savait pas ce qu'il allait devenir. Alors je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose, on ne peut pas avoir un jardin comme ça puis le laisser en friche. La méthode de la permaculture, c'est vraiment l'art imite la nature, je dirais. C'est observer comment la nature elle-même, sans l'intervention de l'homme, est capable de produire des choses extraordinaires, comme la production d'une forêt, qui est quand même sans aucune intervention humaine, quelque chose qui déploie une énergie fantastique. Et donc essayer de reproduire ces façons dans le mode de culture pour avoir des cultures alimentaires comme un potager. Et donc on essaie de construire un espace le plus naturel possible. C'est vrai, dans la nature aussi, il n'y a jamais une seule plante. Il y a toujours un mélange de plantes qui les unes les autres se favorisent mutuellement. Depuis le mois de décembre, on n'a pas acheté une salade. Donc, il faut dire que nous, il nous faut quand même une certaine production de légumes parce que les repas, c'est souvent 20-30 personnes. Donc, ça ne suffit pas d'avoir un petit carré. On a eu des belles carottes l'année dernière. Alors, cette année, avec le mauvais temps, elles se font un peu attendre, mais ça va venir. Faut dire qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à faire le potager ensemble, et puis enfin c'est vraiment un bonheur de faire pousser ces légumes et puis de les cuisiner, après de les manger en communauté. C'est quelque chose qui nous surprend toujours, parce que la nature, c'est jamais pareil, on s'ennuie jamais avec un jardin, je trouve. Je crois que finalement, plus on est pauvre, d'une certaine manière, humainement parlant, hein, plus on rebondit pour trouver des solutions. Et curieusement, alors qu'on peut avoir l'impression que ça nous remet des charges en plus, de faire le jardin, de refaire des yaourts, évidemment, c'est du temps à donner. Mais je trouve que la contrepartie de plaisir qu'on se donne à soi-même quand on le fait, le jardin, les yaourts, et qu'on apporte aux autres, ça vaut le coup, quoi. Tous ces jardins qui naissent en permaculture partout, il y a souvent beaucoup d'humanité autour, d'échanges, de coups de main. C'est un endroit qui favorise la vie en société, je pense. C'est la vie, tout ça, donc ça attire, ça attire de soi-même. Sois loué, ô notre Dieu, pour l'abondance de tes bénédictions, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quand je veux parler à l'Europe, qui dois-je appeler? Se demandait l'ancien secrétaire d'État des États-Unis, Henry Kissinger. La question est désormais résolue.
répondait après le référendum britannique Nicola Burns, un ancien diplomate américain de haut rang. Il faut appeler la chancellerie d'Allemagne. Les conséquences du Brexit sont à terme plus importantes sans doute sur un plan géopolitique que strictement économique. Moi, j'étais venu il y a bien longtemps, quand j'étais ado, on était venu faire un camp ici, et puis voilà, 20 ans après, on est revenu ici, en famille, depuis 3-4 ans. On aime beaucoup ce lieu, on trouve l'abbaye très, très familiale. Le fait de manger avec les sœurs, de faire la vaisselle, partager un petit peu comme ça leur vie, ce côté très, très familial, très chaleureux, nous plaît. Donc pour nous, c'est important de donner, puis d'apprendre à nos enfants de donner gratuitement ce geste, rendre service aux sœurs qui nous accueillent. Vous voulez les mettre dans le panier ? Oui, ça. Il y a un panier au bout du rang ? Oui. À voir sur la brouette s'il y a une cagette. Sur la brouette, là-bas, s'il y a une petite cagette. Elles sont énormes. Hein. On essaye toujours de prendre un petit temps pour leur rendre service. Hier, on est venu cueillir les framboises, couper les tiges de rhubarbe. Après, on a paillé. On a paillé. On a été prendre sur la grosse meule de paille. On a été mettre au pied des légumes. Ah, viens avec moi aussi. Allez, on y va. Pour moi, c'est important de faire voir à nos enfants quelque chose de différent aussi, de ce qu'on peut vivre dans la paroisse. Et puis moi, personnellement, je viens de temps en temps seule, 2 à 3 fois l'an, pour me reposer tout simplement, et puis repartir pleinement ressourcée pour pouvoir encore mieux donner à la famille. C'est vrai que c'est un lieu de rencontre très fort en humanité, si je peux dire. Très heureux aussi, parce qu'on rencontre vraiment les personnes au meilleur d'elles-mêmes. Et c'est vrai qu'à l'hôtellerie, on rencontre beaucoup, entre autres, la misère, c'est-à-dire la fragilité de l'être humain, quoi. Hein. On est beaucoup confronté à cette fragilité. Ça m'interpelle. Rencontrer les personnes, si tu veux, c'est pas des idées. Tu rencontres des êtres et en face, ben toi, tu es avec ta propre vie, ta propre fragilité aussi. Et apprendre à laisser plutôt surgir la bonté que l'agacement ou que... etc. Il y a aussi des gens qui viennent... parce qu'ils ont, ils traversent une épreuve, un souci de santé, une épreuve dans leur couple, par exemple, quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est trompé ou qu'elle est trompée, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, qui vient avec, moi je ne sais pas quand ils arrivent, c'est au bout d'un jour ou deux qui viennent parler, ou quelqu'un qui cherche sa voix. C'est pour les JMJ. Yes. Donc, et les quelques jours en paroisse, c'est à Lublin. Une semaine à Lublin et une semaine à Cracovie. Yeah, très bien. Tu avais été à Padoue avec la communauté de Saint-Bé? Ça, c'est la croix de Saint-François d'Assise. Oui. La taille, ça va être encore violet. C'est embêtant, toujours du violet. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop grand. C'est bien grand, ça, c'est pas parfait.
C'est pour la confiture de fraises avec plein de pectine. Donc ce sont des confitures fabriquées vraiment à l'ancienne sans ajouter de pectine artificielle. Ça veut dire que c'est seulement la pectine naturelle des fruits. Donc je rajoute évidemment du jus de citron qui contient aussi de la pectine. Et donc c'est la méthode des confitures d'autrefois. Voilà. Deuxième trimestre de 2015, mais tu ne l'as peut-être plus, 2015. Si, j'ai fait que je change de tableau. Otis 215, c'était au deuxième trimestre de 2015. Ouais, ce n'était pas mis sur le relevé précédent, c'était noté sur ce relevé-ci. Ah bon, bah, il y a. 215. Bon, alors ça, c'est bon. Tu n'as pas eu de réponse pour le bureau Veritas? Toujours rien, non. On a fait une réclamation le 17. Le 17 juin. En voie de la réclamation. Oui. On avait fait une réclamation, on a fait une demande et on a refait un appel de réclamation. Si au prochain trimestre on n'a rien, on va recommencer. Le 17 juin. J'ai eu du mal à m'adapter au climat ici, à ce lieu ici. Quand on est du sud, où on a la mer à 100 km, la montagne à 30, il faut quand même s'adapter. Quand je disais à Mère Danielle, bouh là là, je m'en vais, j'en ai assez, ben elle me regardait, elle me dit, mais tu sais, ici c'est pas une secte, tu pars quand tu veux. Tu prends ta voiture, tu fais ta valise, tu pars comme tu veux, quand tu veux. Il suffisait qu'elle me dise ça pour que je n'aie plus envie de partir. Je sentais tellement cette possibilité que je pouvais m'en aller que je me disais, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu penses en définitive? Et donc je restais. Je fais un peu de vélo le dimanche matin parce que c'est agréable, il n'y a pas trop de vent. Et puis je rencontre les gens comme moi, hein, qui font un peu de vélo, de marche à pied, voilà. D'habitude, on est deux ou trois, hein, mais bon, ça dépend aussi de la forme de chacune. Mais ça nous fait prendre un peu l'air, vous voyez. On est à la campagne, donc vous savez, je prends les chemins de vigne, tout ça.
on passe complètement inaperçu et ça nous fait du bien. Moi, c'est ma détente, une fois par semaine, c'est ma détente, vraiment. Tourne pas dans la tête. Et toi là. Oui, je sais que tu m'aimes, mais enfin. T'es un petit peu têtu les amis. Cerise, on peut la monter, on est déjà monté, mais bon, on préfère les promener comme ça, le dimanche comme ça, enfin un petit tour, mais bon. Ça se monte pas comme des chevaux non plus. C'est... c'était pas vraiment le but, c'était pour. Je sais pas, avoir une présence, puis mettre en valeur notre terrain, parce qu'on a des prés. Puis voilà, c'est dommage d'habiter à la campagne comme ça, puis pas avoir d'animaux. Enfin, moi, j'aime bien m'en occuper. Comment, pas forcément par rapport à votre vie, mais comment vous avez su que vous vouliez devenir religieuse chez les bénédictines? Alors en fait, j'ai fait pas mal de scoutisme, Jeannette, Guy Denet, etc. Et j'ai beaucoup appris, le scoutisme m'a beaucoup appris au cœur, quoi, hein, le service, la prière, Dieu dans la beauté de la nature. Quelque chose en moi s'est dit. Dieu seul me comblera. Et j'ai cheminé avec ça. Et ça m'a conduit ici. Alors, le chemin était long, hein. Après, il y a les rencontres, les études, toute la vie. Et je savais que je cherchais ce type de vie, quoi. On est façonné. On est mordu par la vie. Et ça nous... Ça donne notre couleur, quoi. Vous, Oblates, qui êtes dans le monde, qui vivez dans le monde, oui. Cet esprit de la règle de Saint-Benoît, comment vous vous positionnez? Même certaines Oblates disent, oh mais à vos heures, à 5 heures, quand on se réveille, des fois je me réveille, je pense que vous êtes déjà à l'office, etc. Donc voilà le lien des Oblates qui est premier dans la prière avec le monastère. Ah, oui. Moi je trouve que dans notre maison maintenant, chaque objet devient, comme le calice ou les choses comme ça, peut devenir... C'est là que je loge ma prière, moi. Oui, oui. Dans mon oui. quotidien, oui. Et à l'évier, mm-hmm. Eh ben, je me rappelle le Christ et la Samaritaine. À chaque fois que je fais la vaisselle, oui. je dis, oui. Seigneur, me voilà ta soif, moi je vais laver. Oui. Et puis... Oui. Et vous faites votre... Oui. Voilà. Oui, c'est voilà. Oui, tout à fait. Parce que c'est oui. vous qui priez. C'est pas l'expérience des autres. C'est vous devez faire votre propre expérience de la prière, de la descente dans le fond, oui. comme on dit oui, souvent. Oui, oui, vous oui, voyez, oui. hein, tu vois, oui. J'avais demandé à une sœur si je pouvais faire, aider. Et j'ai dit, la corvée de pluche, par exemple, oh non, faut pas parler de corvée parce que c'est le travail. Et ça m'avait saisi, oui, quoi, parce que
Parce que du coup, c'était reconsidéré un rien petit peu. Corvée, quoi. Rien n'est corvé. Rien n'est corvé. Et bon, là, je l'ai expérimenté après à la confiturerie, à chaque fois que j'allais éplucher les fruits. C'est un peu une offrande, quoi. Le travail, c'est comme une action de grâce, une offrande, quoi. Je le ressens comme ça maintenant. Si nous, on change, notre entourage change. Ah oui. Hein? Et on sent que la paix gagne partout. Hein, que, et ça, c'est grâce à Saint-Benoît. Je pense que nous avons une vie d'oblature vivante, j'ai envie de dire. Ah oui, on reçoit beaucoup du monastère, ça, je crois c'est que, vrai. Hein, mais, oui, mais, et nous, de vous. Parce qu'au fond, l'oblature pour nous, de notre côté, c'est de faire ce lien avec le monde aussi. Oui. Parce que vous êtes toutes engagées de façon très diverse. Oui. Après les lettres comme prière, on a fait une petite réunion en communauté pour dire quelle couleur nous a attirés à Martigné et puis qu'est-ce qu'on avait envie de vivre ensemble quoi, pour ces années à venir. Le mot qui est sorti le plus chez les sœurs, c'est le mot simplicité. Enfin, c'est voilà, la simplicité du lieu, avec la simplicité de l'alliance entre le bois et la pierre, mais aussi la simplicité de vie, la simplicité d'être ce qu'on est, et puis la simplicité des relations, la simplicité rurale aussi. On aurait pu planter de la lavande là-haut, quoi, c'est ça? Oui, enfin, faut la mettre avec plus, des huiles essentielles. Maintenant, depuis qu'on a changé la fenêtre, et qu'on depuis qu'on a refait le l'enduit autour de la tour. J'aime bien l'image de l'iceberg où on voit ce qu'on voit à la surface, c'est un dixième de l'iceberg et il y a les 9/10 qui sont cachés dans l'océan. Et notre unité, c'est comme ça, c'est elle est à la fois elle est déjà là et elle est en chemin, elle est en devenir. Et on n'a jamais fini de vivre une communion entre nous et de renouveler cette communion chaque jour.
toutes venues pour la même chose, la rencontre du Christ. À part ça, on est quand même très différentes les unes des autres. C'est vrai. Et c'est quand même ça qui nous ramène chaque fois à réussir à se pardonner, à réussir à passer au-dessus de ces choses qui nous agacent. Puis c'est agaçant de s'agacer pour ça. C'est parti de marcher. Comme on a chacune des équilibres différents, on peut s'agacer un peu, quoi. Et puis même, voilà, dans notre vision de la vocation monastique, ça dépend tellement de l'histoire de chacune. Et puis c'est quelque chose de très personnel, l'appel, la recherche intérieure, le chemin intérieur. C'est éminemment unique pour chaque personne. Donc fatalement, une communauté monastique, même si on a une règle commune, qu'on a des habitudes en commun, je pense que c'est un peu comme on interprète une partition. Vous donnez une partition de Mozart à plusieurs violonistes, ils ne vont pas vous la jouer pareil. Nous, c'est pareil, on a un appel ensemble et pourtant, chacune, on a notre manière de jouer la partition. Donc, parfois... La preuve, c'est que moi, ça tout seul, je le jouais très lentement. Sœur Claire arrive. on a quand même réussi à s'accorder un petit peu. Est-ce que, avant les accords, tu peux m'attendre 2 secondes? Parce que moi, il faut que je monte un peu la main. D'accord. Et du coup, j'ai pas réussi à prendre... Parce que du coup, moi, je me suis plantée. T'as enchaîné. Là, on respire. Ouais. Okay. Quand j'ai reçu cet appel, voilà, j'y ai répondu. Mais je ne me posais pas la question de la maternité. C'est le jour où j'ai pris l'habit. Je suis tombée à genoux dans ma cellule. Et là, j'ai vraiment pleuré de joie. Quoi. Mais ça aussi, j'ai à l'offrir. Ça peut paraître curieux. Hein. Mais jusqu'à présent, cette question-là... qui était réglé pour moi, mais sur un plan, j'allais dire, de choix d'adolescent idiot, sans vraiment de fondement, ce jour-là, elle prenait sens. Ça prenait sens ce jour-là que, je m'engageais à la suite du Christ et donc je renonçais à cette maternité. Et je pensais... Vraiment, j'ai été surprise, parce que, voilà, pour moi, c'était affaire réglée. Et ça l'était pas, de fait. Qui est véhiculé comme quoi le fait de faire un choix pour la vie religieuse ou la vie monastique, c'est... on se coupe un peu de soi-même, de son corps, on fait abstraction. Alors, c'est vraiment pas ça du tout, parce que je pense que chacune, dans notre chemin, peut-être, c'est un peu ce que tu disais, on a été presque surprise de retrouver... de se trouver au contraire vraiment face à sa condition charnelle, féminine. Je ne dis pas vraiment confrontée à ça, pas de manière tragique, mais peut-être de la retrouver au contraire beaucoup plus que finalement dans la vie quotidienne avant. Quoi. Parce que sans doute qu'on a plus de silence et tout, donc on est obligé d'accepter son corps. C'est vrai, hein, d'accepter tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on est, tout simplement. Puis je pense aussi que cet aspect de la sexualité, de la féminité, masculinité, c'est vraiment constitutif de l'humain. C'est quand même aussi l'image de Dieu. Donc forcément, dans la relation à Dieu, c'est un aspect qui est éminemment présent et qui a de la valeur, je pense, dans le regard de Dieu sur chacun de nous. Qui me vient, moi, quand je pense à Martigné, c'est liberté. Ce qui m'a frappé dès mon premier stage, c'est de voir qu'on était libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de garde-chiôme à longueur de temps qui nous dit à cette heure-là, tu fais ci. Alors, on a un emploi du temps, hein. On sait qu'après Vêpres, on doit faire Lectio, qu'à telle heure. Mais personne ne nous surveille. Il n'y a pas quelqu'un qui est là dans le couloir pour passer, pour vérifier qu'on est en train bien de faire sa lecture, qu'on n'est pas en train de faire autre chose. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire une grande responsabilité et une prise en charge.
Quand je suis arrivée à l'hôtellerie, quand j'ai vu ouvert la fenêtre et que j'ai eu cette vue-là, c'est vrai, il y a une belle vue. Ouais, je me suis dit, respire ici. C'était très, très physique comme ça, comme sentiment. Mais c'est vrai que j'ai aussi une impression de liberté que je ne pourrais pas expliquer peut-être aussi sa maman. Mais bon, et puis j'ai senti que c'était là. Les pieds.